Eh bien bonjour à tous, c'est Star Wars et aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 15 pour notre entrée en liste sur la deuxième saison en Ligue des Champions. Vous découvrez notre groupe. Alors, notre groupe, vous avez vu le Bayern, nous les Monégasques, le Sporting, là où vient Jardim, si je dis pas de conneries, et Salzbourg. Donc on va commencer par le plus faible pour moi, Salzbourg. Alors, avant de commencer, bah vous m'avez dit, essaye de nous montrer les matchs que tu ne filmes pas. Alors c'est fait, je vais vous les montrer. Donc voilà, donc on, là où je vous l'avais filmé, on l'avait perdu malheureusement. Ensuite, on a fait notre entrée en liste en Liga. J'ai gagné 2 buts à 1 avec un doublé de Marco Reus. Ici, j'ai fait match nul. Alors, il faut... après Ajaccio, je vous assure, j'ai fait que des matchs nuls. Sauf avec mon nouveau pays, que je vous dirai lequel c'est dans quelques instants. Match nul 1-1 contre Lorient. 3-3 contre Lille avec un doublé de Lewandowski. 1-1 contre Bastia. Alors ouais, que des matchs nuls. L'Uruguay, j'ai rejoint la Colombie. J'ai rejoint la Colombie avec mon petit Falcao et mon petit James Rodriguez. Et ben, et d'autres joueurs, hein, Guarín, Cuadrado, on les connaît tous. Ospina aussi est là. Zapata en défense, Jackson Martinez devant. On a gagné 2-1 contre l'Uruguay. On a gagné 3-0 contre le Cameroun. On a joué Nantes. Encore un match nul. Un but partout. Il faut que ça s'arrête, surtout pas en Ligue des Champions. Écoutez, on va lancer notre meilleure équipe pour notre entrée en liste en Ligue des Champions. Faut pas décevoir. Salzbourg, Monaco, composition. Alors, on va de suite regarder cette composition de l'AS Monaco. Maillot extérieur, maillot domicile, Lewandowski, Meyer, Reus, Lacazette, Toulalan, Kondogbia, Kiyosawa, Lopez, Varane, Decilio, Subasic. Alors, Subasic est décevant en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui lui arrive. Il est très décevant, je vous assure. Alors, je vais mettre Tielemans parce que Kondogbia était un petit peu moins en forme. Je vais mettre... personne d'autre, juste Tielemans. J'hésite vraiment à mettre Simon Skoufet. Ça sera le match déterminant pour notre ami Daniel Subasic. Qui, franchement, je vous assure, il m'a fait de belles bourdes. Et je l'ai mis tout le reste des matchs. À chaque fois, vous avez vu, il s'en prend au moins un par match depuis le début de la saison. Lewandowski dans cet exercice. On va voir si on arrive mieux avec lui qu'avec Lacazette. Donc, les changements de numéro ont été faits. Hein. Lewandowski porte maintenant le 9. Et Reus porte le 10, si je dis pas de conneries. Oh putain. Ça, je sais pas pourquoi j'arrive pas. Non, ça, j'arrive jamais. Je me demande pas pourquoi. Alors, notre entrée en liste en Ligue des Champions, Salzbourg. Je ne connais aucun joueur de chez eux, malheureusement pour moi. Ça va être une découverte. Kurzawa, vous l'avez vu, il a pas voulu prolonger avec nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va partir. Il a dit qu'il se donnerait à 100%. Pour moi, c'est toujours notre titulaire indiscutable à gauche. Donc pour le moment, moi honnêtement, ça me change rien tant qu'il est toujours avec nous. C'est vrai que c'est un joueur qui a été formé dans notre club, qui joue la Ligue des Champions avec nous. C'est plus important pour nous, je trouve, parce que c'est un club qui forme des jeunes. Et en voici la preuve avec notre ami Lewin Kurzawa. Allez, Reus, avec peut-être Lewandowski qui aurait peut-être mieux de mettre une tête. Tielemans qui la remet pour tout l'allant. Et Gulaski qui relâche pas son ballon, Lewandowski était là. Allez, belle opportunité déjà de la part des Monégasques. Donc vous découvrez aussi Lewandowski. Hein. Pour moi, ça fait plusieurs matchs que je le découvre où il est pas mauvais. Hein, honnêtement, c'est normal, j'ai Lewandowski. Mais là, j'espère qu'il sera encore meilleur pour notre entrée en liste en Ligue des Champions. Donc pour en revenir à Kurzawa, hein, je vous l'ai dit, en tout cas, c'est un joueur que je vais lâcher à très haut prix parce que c'est un joueur exceptionnel, Lewin Kurzawa. Alors, est-ce que pour le moment, j'ai d'autres idées que lui à gauche? Honnêtement, pas du tout. En tant que défenseur gauche, pas du tout. J'ai à peu près... je ne sais plus combien j'ai encore de millions disponibles. Parce que c'est vrai que j'ai pas tout utilisé. Et puis comme ça, vous aussi, vous pouvez me donner un conseil. En tant que défenseur gauche, pour le moment, en priorité. Oula, Reus. Reus. Oh, il passe pas. Dommage. C'était bien vu de sa part. Allez, donc c'est toujours une compo que j'apprends un petit peu. C'est vrai que moi, d'habitude, j'avais la logique de passer par les ailes. Et pas trop par l'axe avec notre milieu offensif qui est meilleur. Borja Lopez aussi qui est devenu titulaire du coup, hein, Lopez. Je pense que c'est bien pour lui aussi, ça va pouvoir lui monter. Monter en expérience et surtout derrière on a aussi Ismet Mirin. Meilleur, avec Toulalan. Toulalan lui restera capitaine. Allez Marco Reus,
Rolls Royce, surnommé Rolls Royce. On se demande pourquoi. Royce. Ouais, il était pas loin. Il était pas loin de passer, dommage. C'est vrai que maintenant, je vais pouvoir un petit peu plus centrer parce que Lewandowski de la tête, c'est pas Traoré de la tête, c'est encore beaucoup mieux. Allez, Tielemans. Avec tout l'allant. Avec la casette, la rapidité, c'est pour Lewandowski, penalty. Alors non, il n'y a pas penalty. Alors est-ce que c'est la casette qui aurait fait tomber Lewandowski? Ah, j'ai pas eu le réflexe d'aller voir le ralenti. Pour moi, il y avait penalty. Allez, De Chilio. Il est face à deux joueurs, j'attendais Lewandowski. Putain, il va falloir un petit peu plus monter. C'est vrai, Lewandowski. Le problème d'acheter trop de joueurs bons, c'est qu'ils veulent toujours tous se démarquer, donc tous aller faire ce qu'ils veulent. Je pense plutôt aussi à Lacazette, hein, qui était notre meilleur buteur. Du coup, il se retrouve sur l'aile droite, le pauvre. Mais bon, ça aussi, ça doit compter quand même dans le moral du joueur où t'es le meilleur buteur. Il suffit que t'achètes un excellent joueur reconnu dans le monde. Parce que Lewandowski, c'est un mec connu dans le monde. Hein. De toute façon, si on est connu en Allemagne, c'est que dans la logique, on est connu dans toute l'Europe. Et si un joueur est connu dans toute l'Europe, il est connu dans tout le monde. Voilà pour moi. Comment ça marche le foot? Borja Lopez, c'est bien. Tielemans. Allez, Lewandowski avec Reus. Du coup, les deux anciens de Dortmund se sont rejoints. Il manque plus qu'à acheter Mario Götze. Et puis là, c'est bon. Attention avec Soriano. Pardon. C'est au-dessus. Allez, Souba. Meilleur avec Lewandowski. Meilleur. Il va chercher Robert. Ça passe pas. Ça passe pas. Alors c'est vrai que pour le moment on n'a pas de grosses occasions. Ils en ont pas énormément non plus. Hein. Je pense quand même qu'on en a plus. On s'approche du but. Oula, attention. Avec Camp. Oula, il vient de prendre De Chilio. Et De Chilio qui remet bien en place avec Meilleur en compte peut-être. Avec Lewandowski. Ah, il va chercher Meilleur. Ouf, ça revient sur Lewandowski. La casette, la frappe et le premier but dans cette Ligue des Champions pour Alexandre Lacazette sur une passe D de Robert Lewandowski. Et ben voilà, l'ancien buteur, notre ancien meilleur buteur. Et ben pour le moment, c'est notre meilleur buteur en Ligue des Champions. Donc au moins pour le moment, il aura ce titre. C'est en même temps, c'est normal, c'est notre première entrée en Ligue des Champions. C'était loin d'être passionnant. Hein. En tout cas, on espère que ce but aura réveillé un petit peu tout le monde. Et voilà, comme vous venez de l'entendre, les commentateurs aussi se disaient que le match n'était pas très passionnant. Et qu'ils espèrent... Ou peut-être, ou la lance qu'il a pris comme contact. Allez, Meilleur. Avec Youri Tielemans, qui a été préféré à Geoffrey Kondogbia. Tielemans. Avec Lewandowski. Meilleur. Des ballons qui repartent proprement. Avec Marco Reus. La montée, peut-être. Reus dans le premier paquet pour Lewandowski. Oh, c'est dommage. C'était bien vu, je pense, quand même, de la part de Marco Reus. Alors, c'est vrai qu'on me reprochait dans l'autre saison de sentir beaucoup trop sa... Ça m'a enlevé quelques occasions, c'est vrai, mais après, il faut savoir que je suis pas très bon en dribble non plus. Ouais, Borja. Ah oui, aussi, il faut juger bien Borja, hein, parce qu'il remplace Abdennour. Alors, est-ce que vous préférez Borja ou Isimat Mirin? C'est vrai que pour le moment, vous n'avez pas encore vu Mirin. Mais déjà, faites-vous un premier avis sur, sur Borja Lopez. Soriano. Alan. Merde, j'ai mal contrôlé. Et Borja Lopez qui va venir le bloquer peut-être. Il récupère un bon ballon sans faire faute, c'est très bien. Avec Youri Tielemans, sans contre. Tout l'allant avec Robert Lewandowski qui va pouvoir peut-être accélérer, enchaîner devant toute la défense. Ah, Lewandowski qui est... Il a manqué un petit peu d'accélération, il est tombé. Donc j'ai écouté un de mes abonnés hein, pour cette nouvelle saison. Donc vous avez vu, pu le remarquer, un 4-2-3-1, je l'ai écouté. Pour le moment, c'est vrai que ça porte pas trop ses fruits, hein. Beaucoup de matchs nuls, mais en même temps, c'est peut-être aussi de ma faute, hein. Je suis pas encore bien habitué. Ça viendra, ne vous inquiétez pas. Kurzawa, avec Reus. Ouf, Reus s'est fait éjecter. Mais écoutez, pour le moment, à la mi-temps, on a un but à zéro. Passe D de... Alors le Bayern est en train de gagner 2-0.
Donc passe D de Robert Lewandowski sur notre ailier droit, là Alexandre Lacazette. Bien joué Varane. Ah, hors jeu. Ah, il est parti trop vite. Il est parti trop vite, c'était trop beau. Et je pense qu'après je ferai rentrer Bernardo Silva. Allez, meilleur. Meilleur, ça accélère pour meilleur. Où est-ce qu'il est mon ailier? Putain, j'avais pas mon ailier. Heureusement, on gagne la touche, c'est bien vu. Il est là. Decilio qui est monté avec Maximilien Meilleur qui peut centrer n'importe quelle position pour peut-être Lewandowski, non? Toujours pas, il gagnera pas ce ballon de la tête, Lewandowski. Borja. Avec Jérémy Toulalan. Oh, Tchelmans, il est bien passé. Jerry Tchelmans. Oh! Ouais, il y avait un petit tacle par derrière. Alors, ça donne un bon coup franc pour Marco Reus. Roll Reus! Oh ouais, c'était pas loin. Oh, Borja qui s'est bien battu. Allez, Camp. Et bon retour de Marco Reus qui est bien venu défendre. Varane. Avec Borja Lopez qui est en train de prendre pas mal d'expérience. Borja Lopez. Aux côtés de Varane. Et Decilio qui est bien passé. Allez, ouais, bien vu aussi de la part de Youri Tchelmans. C'est très bien fait. Tchelmans. Ouais, belle roulette. Et ouais, ça passe pas cette fois-ci. Decilio avec Meilleur qui va frapper. Oh, c'était contré à mon avis. Je crois que ça a été contré là. Sinon, la frappe était vraiment très molle. Donc j'espère pour Meilleur que c'était contré. Tchelmans. Oh, Tchelmans qui a mis trop de temps à faire sa passe. Ouais, attention. Alan, la descente de Decilio. Oula, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Bien vu de la part de Borja. Keita. Oh putain, on s'est mal compris. Avec Decilio et Varane, heureusement que c'est à côté. On va faire un petit changement, on va essayer de donner un petit peu de tonus à l'avant. Entrée de Bernardo Silva. Eh ouais, et Bernardo Silva qui va rentrer. Acheté pour 825 000. Alors c'est vrai que Bernardo Silva ne monte pas très haut. Seulement 82, si je dis pas de conneries. 82 ou 81, pas plus, c'est vrai. Mais je pense que Bernardo Silva peut nous apporter sa vitesse. Sa vitesse, elle est juste énorme. Lewandowski qui va s'affronter dans la surface. Lewandowski, penalty. Quand même, l'arbitre, là... C'est dommage, c'est dommage. Il gagne la touche, Lacazette. Lacazette, oh non, c'est mal fait cette touche. C'est mal fait de la part de Lacazette. Alors c'est vrai que peut-être que Lacazette, il en veut un petit peu à Lewandowski, hein, ce qui est normal. Il a piqué sa place de buteur. Lacazette, justement. Et pourtant, c'est lui qui a fait une passe D. C'est Lewandowski qui a fait une passe D avec Lacazette, peut-être. Ah, putain, mais... On est vraiment à chaque fois à la limite parce que là, à chaque fois, il tombe. Alors Lacazette, quand même, il est... Même s'il est un petit peu petit... Quand même, putain, il tient debout. Oh. Bernardo Silva. La recrue. Là, c'est pareil. Raltac, l'assassin. Bref, c'est pas grave. On gagne 1-0, on va pas s'énerver. Salzbourg, peut-être en compte. Ouais, bonne abdégation. Reus. Tchelmans, on va écarter avec Decilio. Il va jouer avec le capitaine, Jérémy Toulalan. Ah, Valon Berisha, il vient de rentrer, il est plus frais. Ulmer. Allez, Ulmer. Oh, attention, avec la montée de Campbell. Ça joue derrière, Toulalan, bien interposé. Borja qui n'a pas pu se dégager. C'est Lacazette qui va pouvoir peut-être se dégager. Non, toujours pas. Oula. Oulala. Decilio qui est bien revenu. Decilio, très bien. Allez, Lewandowski. Oh, il n'a pas pu se relancer. C'est pas terminé. Varane avec Lacazette pour Lewandowski. Avec Silva. Reus. Ah, il va falloir faire des changements. On n'a plus assez de jus ou quoi? C'est vrai qu'on enchaîne les matchs quand même. Allez, Bernardo. Lewandowski est toujours en jeu. Du coup, Bernardo, peut-être. Oh, il lui restait plus qu'un joueur à passer. Dommage pour lui. Tchelmans. Lewandowski avec Bernardo Silva. Où est-ce qu'il est, notre ailier droit? Ah, putain, il n'était pas là. Oula!
Ou Chelmens qui va se prendre un jaune, je pense. Alan. Varane qui est descendu sur... Oh, il a eu peur de Varane, le mec. Alors, on va faire des changements. Kondogbia qui va rentrer ici. Et j'ai envie de faire rentrer notre ami Lucas Ocampos pour donner un petit peu plus de tonus sur cette aile droite. Carton jaune pour Youri Tielemans. C'était prévu, c'était normal. Carton jaune, c'est sûr. Ça donne un carton jaune. Ah, et en plus, tacle dangereux. Il avait plus le ballon, le mec. Hein. Allez, nos deux derniers changements ont été effectués. Donc attention, on n'a plus de changements. On peut déjà commencer à penser au prochain match de cette équipe. Ocampos qui vient de passer justement sur cette aile droite. Il n'y a pas d'enjeu avec Bernardo Silva. Oh, il est passé. Silva, la frappe! Dommage, c'était bien vu. De la part du numéro 24, Bernardo Silva. Reus. Avec Ocampos de la tête, il a voulu le chercher. Dommage. Alan. Ce serait le moment pour frapper un grand coup. Non, attention, en haut, il y a un petit introu, mais Borja Lopez est bienvenu. Alors que c'est Borja Lopez qui a récupéré le brassard. Très bizarre. Reus qui va aller le bloquer. Vous avez vu la descente de Reus pour bien le bloquer à l'adversaire. Par contre, là, c'est vrai qu'ils ont un petit peu plus le ballon. Et Ocampos qui vient le chercher. Ils sont en offensif. Hors-jeu. Allez, Varane avec Decilio. Très bon défenseur droit, Decilio. Très bon jeune aussi. Oh, putain, Ocampos. Arcassen. Oula. Non, il y a encore hors-jeu. Ouais, par contre, l'autre n'était pas hors-jeu. C'est pour ça qu'il n'a pas sifflé. Allez, Souba. Avec Decilio. Ocampos. Allez, bien joué de la part de Lucas. Ça passe vers le milieu de terrain, encore une fois. Oh, il a voulu trop en faire. Berisha. Vallone, Berisha. Attention, parce que là, ça vient d'un jeu trop perso d'Ocampos. Il y avait hors-jeu. On va se consoler là-dessus. On va dire que Souba savait qu'il y avait hors-jeu. Allez, Ocampos avec Bernardo Silva. On est un petit peu bousculé quand même sur cette fin de match. Et Silva n'arrive pas à reprendre ce ballon. Même avec sa rapidité. C'est pour vous dire. Oh, Lewandowski qui était pas loin. Berisha. On est dans le temps additionnel, hein. Je pense que ça va être sifflé, surtout quand il recule. Et voilà, c'est terminé. Entrée en liste, première victoire en Ligue des Champions, 1-0. Alors, je pense qu'on a un petit peu dominé quand même. 5 tirs cadrés à 0, ouais exactement, oui, 5 tirs cadrés à 0, c'est important. Le Bayern a gagné 3-0, Dortmund a gagné alors que Reus n'est plus là. Le Real a gagné contre Benfica. Voici le classement de la Ligue 1 à cause de nos matchs nuls. On est à 7 points seulement, le premier est à 15 points. Putain, il a plus de la moitié de nos points, cet enfoiré. Ouais, c'est bon, rien n'est perdu. On est qu'à la 5e journée, on a le temps. De toute façon, Marseille part toujours sur les chapeaux de roue à chaque fois. Allez, on va affronter Bordeaux. Où est-ce qu'on va après Bordeaux? Après Bordeaux, on va voir le Paris Saint-Germain, tiens. On en parle du score de Marseille qu'ils ont gagné 5-0. On va faire un petit tour sur les classements des buteurs. Où c'est avant? Ah ah! Non, on va faire autre chose. On va aller voir le rapport d'équipe. C'est vrai que je vous avais promis pas mal de trucs. Rapport d'équipe, alors faut que je le fasse. Subasic, 7 matchs. Une invincibilité en Coupe des Champions, c'était maintenant sur 7 matchs, c'est vrai que c'est pas énorme. Souba un petit peu plus décevant je trouve pour moi cette année. Decilio. Une passe D. Attends. Souba il a fait une passe D. Tout va bien les gars. Decilio, une passe D, c'est vrai que c'est un défenseur droit. Varane plus 1. Varane plus 1, 85 de général, c'est bien. Une invincibilité aussi. Borja Lopez, plus 1, c'est normal, lui il va beaucoup progresser. Doté d'un énorme potentiel. Kurzawa, la forme elle est ok, il est malheureux parce qu'il veut tout simplement partir. Je ne comprends pas ton choix, Kurzawa. Kondogbia, lui il est heureux, on a re-signé un contrat. Toulalan, toujours heureux, lui il est au top ce mec.
Eh bah putain, Lacazette, lui, avec un 82 de général, il est encore plus content, excellent, heureux, allez. Meilleur, 3 passes des meilleurs. Lacazette, combien? Il a dû mettre un but, ouais, ça a dû être maintenant. Meilleur, 3 passes des, c'est pas mal. 3 buts pour Marco Reus en 7 matchs. Ouais, c'est pas mauvais. Lewandowski, 6 matchs, 4 buts, 2 passes des, c'est bien aussi. Simon Skoufet a pris plus 1 alors qu'il est que sur le banc, c'est bien aussi. Forme faible, c'est vrai qu'il joue pas énormément, c'est peut-être pour ça qu'il est un petit peu faible. Youri Tielemans, putain, il a pris plus 2 le mec. Anthony Martial, et on l'a pas beaucoup vu, c'est vrai, Anthony Martial, on va peut-être le voir contre Bordeaux. Lucas Ocampos, qu'est-ce qu'il nous a fait 5 matchs, putain, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Bastouille, il y a un match en Ligue 1. Mira Kariniente. Frédéric Doulin. D'accord. Je ne savais pas que c'était là, mec. Parpex, on l'a plus vu. Lucine, on l'a pas vu. Omar, ok. Ngagoutou, cela, c'est le joueur qu'on n'utilise pas. Fabinho, il est là. Nardi, il est là. C'est vrai qu'on va avoir pas mal d'effectifs. Obadi, il est là. Ça, c'est les joueurs qui sont en prêt. Caillère, ok. Donc, ils n'ont pas joué. D'accord, bah écoutez, nous, on va se retrouver pour le match contre le Paris Saint-Germain. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour le match Paris Saint-Germain-Monaco. À la prochaine. Salut tout le monde!